bienvenue à la deuxième partie de la 7e édition des Africa Magic Viewers Choice Awards qui s'est tenue le samedi 14 mars à Lagos au Nigeria. Et sur ce, nous passons directement au premier look du jour. Ryan, t'as changé de look, c'est tout beau, ça te va super bien. Et c'est de qui ça? C'est de Adam à Paris. Ah, ça te va super bien, c'est cool. Assez léger, j'imagine. Ouais, je t'assure, c'est assez léger et plus ça le fait, quoi, tu vois. Avec la chaleur et tout. Attends, quoi? Cool. Comment? Là. Ouais, c'est bon. C'est cool? Ah ouais, il te retape un peu. Ah, et toi alors? Ça va? En mode léger, il fait chaud, hein? En léger. Ouais, ouais, il fait chaud, on se permet. J'aime bien ta robe. De chez Adama, ça. Ah? Les sandales de chez Adama, là, c'est Adama. Ouais. Donc, on est tous les trois de chez Adama parce que la robe aussi est de chez Adama. J'aime bien le ton. J'aime Adama bien la Paris, bien sûr. Adama Paris. Oui, on va préciser. Eh bien, nous passons directement au premier look du jour. Adesua Etomi Wellington en top et fenard. Elle est belle. J'adore sa robe. J'adore vraiment. J'aime bien. Assez simple aussi et très très chic. Ouais, c'est pas faux. La robe, elle est assez simple. Mm-hmm. Et très jolie. Mm-hmm. Et je dirais même que ça lui va à merveille et en mm-hmm. même temps ça représente, tu vois, le délire nigérien et tout parce que mm-hmm. ils ont beaucoup plus ils ont l'habitude d'utiliser ce genre de tissu, le dentelle et qu'on sort façon mm-hmm. façon. Mais après tu vois la structure de robe, j'aime bien. Mm-hmm. Le dos nu avec la fente droite derrière mm-hmm. la robe, franchement ça lui va à merveille, quoi, tu vois, la robe sirène avec la finition mm-hmm. taille crayon carrément. Ouais, oui. Mm-hmm. C'est pas si wow que ça, mais il y a tout ce qu'il faut et ça épouse bien ses formes. Et ça lui va bien quand même. Ouais. Et toi? Je suis d'avis avec lui. Hein. C'est un look qu'on a vu, les Nigériens aiment bien arborer ce genre de modèle là. Mm-hmm. Mm-hmm. Et puis ça lui va très bien. Mm-hmm. Il y a le physique qui va avec, mm-hmm. la dégaine qui va avec et tout. J'ai bien aimé. Et aussi sa coiffure, c'est mm-hmm. bien vu ça. Hein. Oui, bien vu, super bien même. Ça moi, lui va bien, super j'aime bien. Bien. Et sa mise en beauté aussi, voilà. Celle-là, c'est bien pour cette soirée. C'est l'épouse à Banky Wellington. Hein. Ok, ok. Il forme un bon couple en tout cas. Et tu lui donnes une note de combien? 7. Là, je te rejoins directement. Je lui donne un 7 aussi. Je vous rejoins aussi. Un 7 pour tous les trois. C'est de la marque Top FNR, une marque nigériane aussi. Nigériane aussi, ça fait plaisir. Honneur à la mode africaine. Et nous passons au prochain look. Banky Wellington en Hugo Monnier, tout en noir, costume africain, qui fait honneur aussi ces temps-ci et très très tendance. Ouais, je t'assure, déjà le ton, le all black là, franchement ça fait. Mm-hmm. Et je pense que... Le noir, c'est la couleur de la mélanine, quoi. Bien sûr. Je t'assure. Et je me suis rendu compte que ça fait partie même de mes couleurs favorites, sans pourtant me rendre compte. Bien sûr, moi aussi. Là, je te le dis, à haute voix. J'aime bien le noir. Ouais. Mais bon, revenir à son look, je trouve que c'est assez nickel. Mm-hmm. C'est assez classe en même temps. Mm-hmm. Et moi, je pense qu'il a sauvé le coup mm-hmm. avec l'accessoirisation du look parce que sans la lavalière et sans les petits détails sur la veste, tu vois, la finition et tout, mm-hmm. ça aurait été lambda, quoi. Mais non seulement le styliste, il a su marquer la différence, ajouter du peps. Je ne sais pas si ce sont des clous bien, des points, tu vois, tout autour de la chemise. C'est clouté, hein. Et ça me fait penser à Bulldog. Ah oui, enfin, t'as raison. Ouais. En même temps, le costume africain maintenant, c'est ce qui fait la différence, je trouve. Parce mm-hmm. que c'est presque cette même coupe qui revient. Surtout ce style-là est très tendance, qui est venu en mode gilet exactement. Et tout ça. Et c'est toujours temps, la finition qui fait la différence. On retrouve ce côté afro et en même temps moderne mm-hmm. dans le look. Bien sûr. Et franchement, j'adore. Du bon boulot. Ouais. Alors? Du chécha jusqu'au costume, j'y adhère totalement. Mm-hmm. Mais le seul truc que moi, bon, je sais pas, c'est un tour avec lui, c'est un peu comme Matt Gims, quoi, ses lunettes là. Mm-hmm. Il aurait pu s'en passer. Ben, c'est quand même Banky W, il mm-hmm. aime toujours ses lunettes là. Mm-hmm. Mais il aurait pu s'en passer, c'est seul de moi sur son lit, d'après moi. Mm-hmm. Voilà, mais sinon, dans l'ensemble, ouais, j'aime bien.
Ouais, en tout cas, ça lui va super bien et c'est comme ce que je dis, on s'approprie ce qui nous appartient, c'est tout simplement cela. C'est le costume africain, tout le monde le connaît maintenant, il y a différentes façons, il y a différentes manières de mettre ça aussi. Mais cette espèce de gilet qui est revenu dernièrement, qui est très tendance, ça va, je pense, à tous les Africains et même, on va dire, à tout le monde. C'est super joli, une très très belle finition, bien fait, bien structuré, ça lui va avec le petit chapeau et tout. Nickel. Et je rejoins ce qu'il a dit aussi. Les lunettes, il pourrait vraiment s'en passer. Mais même avec tout ça, ça lui va. C'est très, très cool. Et je lui donne une note de 8. Et toi? Un 6. Un 6. Et toi? Moi, je dirais rebelote avec un 7. Un 7? Ouais. Ok, rebelote. J'avais oublié cela. Et nous passons au prochain look. C-I-O-O-L-O-O. Yeah! Habillé par Victor Ojo. Une fois de plus, une marque nigérienne. Ah ouais, ça. Les gars, ils consomment vraiment local. Vraiment, vraiment local. Vive le style africain, vive la mode africaine. Ouais, c'est Africa, vraiment, ça. Vraiment, ça. Ouais. Ça voilà, ouais. Ça prend l'ampleur. On sent que les stylistes en veulent et ils sont en train de vraiment. Non, je voulais dire. Non, moi. Ça rentre dans le thème, ça reste dans le thème. Carrément. C'est vraiment dans le thème, toi. Oui. En fait, ça. Non, mais même sans ça, en fait, moi, je suis. Fier de nos créateurs, de nos designers. On sent que la mode africaine prend de l'ampleur et ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Et voilà, ce nouveau style de costume africain qui n'arrête pas, ils n'arrêtent pas de sortir de nouvelles créations, mais ça les tenues africaines voilà. Portées par des Africains à une cérémonie africaine. Africaine, ouais. Ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir. Il est très chic en tout cas, le gars est très beau, je vais dire. Une tenue princière, je dirais. Ben, c'est de la marque Victor Ojo, comme on le disait. Et bon, à première vue, on pourrait dire que c'est un peu trop accessoirisé. Mais je trouve que c'est ça qui ramène un truc. Sinon, ça aurait été un peu trop simpliste. Et moi, j'y adhère avec un peu de recul parce que voilà, ça brille un peu trop. À ton goût. À cause juste de la broderie un peu, en fait. Juste ça. Il y a un peu trop de broderie à ton goût. C'est ça, comme tu le dis, je suis toujours un peu dans mes ambiguïtés là, mais en vrai, j'y adhère totalement. Il est d'accord, le gars. J'ai la vie à la fin. Ouais. Alors? Franchement, j'ai adoré la tenue. Ah, j'ai cru qu'il allait dire l'inverse. Non, même pas. En fait, le truc qui m'a tapé dans l'œil, c'est le temps. Tu vois, c'est quand même osé et je dirais même déplacé et tout, mais après le rendu, tu vois, ça le fait. Et je pense que la broderie, c'est la broderie qui a ramené un plus. Et ça, tu vois, ça a changé de temps. Sinon, sans la broderie, ça aurait été tout moi, tu vois, et tout. Mais tu vois, le costume, tout en rose avec cette espèce de bande qui lui traverse le côté et tout. Mais bon, il y a un petit bévol aussi, il faut le dire, ce sont ses lunettes. Encore une fois. Mais bon, après le. On est en Afrique, il y a du soleil, on cache les yeux un peu. D'accord. En plus, c'est une soirée. Y a pas de... Bah, de toute façon, on ne peut pas l'expliquer autrement, à part qu'ils s'accrochent trop à leurs lunettes. On ne peut pas dire autre chose. Bah, je vais rebondir par cette broderie, je pense que sans c'est. Sans te couper, moi, je pense qu'il aurait dû. Il y a un petit accessoire qui manque à sa tenue. Il aurait dû porter une canne. Tu penses? Ouais. Ça allait le faire. Oui, ça allait le faire, mais ce serait un peu trop. Ça aurait été totalement dans le délire princier, là, en fait. Oui, carrément. Ce style nigérien qu'on reconnaît tous, qui va vraiment à ravir. En tout cas, le gars, il est beau, très simple et classe aussi. Et c'est cette broderie, comme vous l'avez dit, qui. En fait, c'est l'élément qu'il fallait, je pense. Sinon, ça. Et ça se voit que c'est vraiment fait à une maison de couture. Parce que c'est. Sur mesure, quoi. Oui, carrément. Tout et bien fait aussi. Oui, bien fait. En tout cas, tout est à sa place. Ça lui va super bien. Moi, je lui donnerai un 8. Un 8. Un 7. Et toi? Avec tout ce qu'il a dit là. Mais c'est pas grave, on zappe. On zappe. What's up? Et toi, tu donnes une note de combien? Un 7,75. Le gars, il nous refait le coup. Moi, je note comme les profs ici. Moi. Ah, d'accord. Ok. Et nous passons au prochain look. Stan Zay, il y a un N, mais bon, je dis Zay parce que je ne sais pas.
On bat des airs ou Badzer. En tout cas, c'est nigérien. Donc, vous nous excuserez pour la prononciation. Soit c'est Badzer ou Badzeré. En costume africain aussi ou costume normal en pan-africain. Un peu trop chargé à mon goût, mais bon, respect à la culture et au style africain. En parlant de culture, cette tenue-là, c'est une tenue royale qui a été revisitée par la marque en question. Hein. Et ils appellent ça la Sofi. Excusez, vraiment, on vous présente nos excuses pour la prononciation. On sait que voilà, on va se taper sur les doigts pour ça, mais voilà, c'est la Sofi. Je ne sais pas comment ils prononcent ça chez eux, mais c'est ça. C'est cette matière qui a été, ou bien la tenue non, carrément. Non, la tenue en elle-même. La tenue, d'accord. Pas la matière. D'accord, d'accord. Voilà, ça a été revisité par la marque, Badezere. Badezere. Voilà, ça date de 4 siècles. Hein. Ok. Wow. C'est un truc assez ancien. Mais après, pour revenir sur le look, je n'aime pas. Ça voilà. Fait clown. Je n'aime pas. Mais j'aime bien le ton. Oui. Il n'y a que ça qui passe. Peut-être que mais ça sinon, passerait avec une autre tenue, mais pas en mode costume. Hein. Je n'y adhère pas. Mm. Ouais. Et puis, la... Comment dire? Comment il s'appelle déjà? Stan Zé. Lui aussi, bon, ça ne s'accorde pas avec lui aussi, quoi. Ça aurait pu passer sur quelqu'un d'autre, mais pas sur lui. Ouais. Mais j'ai, bon, de mon côté, je n'ai pas la confirmation et tout, mais à première vue, moi, je pense que c'est du kita, le tissu. Là. Mm-hmm. Vu la broderie et qu'on sort et tout, je pense que c'est du kita. Mais après, le look aussi, ça me laisse perplexe. Franchement, je pense que ça fait too much. Déjà, il y a assez de coloris. Mm-hmm. Et il ne devait pas opter pour les colis, les bracelets, tu vois. Mm-hmm. En fait, je pense que c'est ce genre de matière qui ne colle pas trop en mode costume, tout ça, parce que c'est déjà beaucoup trop rempli. Ça risque de ressembler un petit peu plus à un clown qu'à autre chose. C'est pas faux. Très sincèrement, en plus, non, les broderies au niveau. C'est quoi, ça passe pour un costume, mais après, quand c'est trop accessoirisé, voilà, ça fait too much. C'est pas beau à voir. Et puis, comme là, il y a un peu trop de couleurs aussi sur cette truc. Oui, c'est ça que je dis. Et je pense que le truc qui a aussi cassé, tu vois, les codes et consorts et qui n'a pas du tout marché sur la tenue, c'est le fait qu'ils ont opté pour la broderie. Oui, surtout, c'est ce que je dis déjà au niveau du col et au niveau des bas. Oui. Donc, C'est trop, carrément, c'est trop. Déjà, quand tu as une matière qui est beaucoup trop chargée, beaucoup trop colorée, déjà, d'habitude, on te conseille d'éviter de faire tout ton ensemble avec ou des choses qui traînent un peu trop. Soit tu fais, tu patches ça avec autre chose ou voilà. Mais quand c'est un ensemble, ça devient déjà de trop. En plus, tu rajoutes des accessoires et de la broderie, ça fait carrément too much. Et puis, là, il lui manque le nez, là. Et puis, voilà, il va nous faire marrer, carrément. Non, du tout. On est d'accord, respecter la culture, on est fiers de ça, on aime bien, mais quand oui, c'est bien fait quand même, bon, voilà, quand c'est bien agencé et tout ça. Je pense qu'ils auraient dû mieux faire. Oui, exactement, surtout quand tu revisites des trucs qui datent d'autant de siècles, donc ils auraient pu bien faire. Mm-hmm. Et tu lui donnes une note de combien? Je vais te gentil en 4. Moi, juste la moyenne pour cet esprit, c'est tout. Pour l'atteinte à nos ancêtres, je vais encore un 2. Ok, je vois qu'aujourd'hui je suis après, super gentille. Bon, c'est lui qui l'a choisi quand même de porter, donc disons, c'est toi qui sais. Et nous passons au dernier look du jour. Liliane Afegbe, Antoine Titou 07 by T Bali de Tolu Bali. Elle est waouh. Une très très belle création, en tout cas, des matières différentes. Je n'ai pas raconté de bêtises, donc je vais juste dire le haut qui brille ou voilà. Et en vrai, si voilà, sans recherche et tout, à première vue, j'aurais dit c'est une création de chez Balmain. Mmh. Ouais, ah. Le modèle là. Donc, ça fait très Balmain. Ok. En tout cas, c'est des matières différentes qui s'accordent très bien. Voilà, qui s'accordent super bien, même, on va dire. Un peu de fourrure, un peu de velours. Et le tulle là qui sort, qui dessine un peu, on dirait qu'elle s'est. Qui lui traverse le corps. Voilà, carrément, on dirait un serpent ou voilà, tout ce que tu veux. Et le haut, on dirait qu'elle n'en avait pas assez de se voir. Je t'assure. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois qu'elle a la tête qui tourne, elle peut se voir. Je ne sais pas si ce ne sont pas des cristaux, donc c'est de petites. Je sais pas, brusure de miroir ou tout ce que tu veux. En tout cas, voilà, ça lui va super bien. En plus, bien dégagé au niveau de la tête. Make-up super. J'adore. Elle est toute belle.
d'avis avec toi. Franchement, quelle allure. Une fois de plus, africaine à la main d'œuvre et puis tellement bien fait, quoi. Ça, c'est du haut de gamme. Et elle a de l'allure et le physique, il va avec en plus, quoi. Il n'y a pas de décalage. C'est un beau mariage, quoi, entre elle et puis sa, la tenue. C'est pas vrai. La mise en beauté, nickel. Et puis en plus, elle a, elle a choisi toute une équipe qui a bien travaillé autour d'elle. Hein, et que des Nigériens en plus. En tout cas, j'ai adoré. Comme on dit depuis tout à l'heure, ça avance bien. Ouais, c'est clair. Ça avance super bien. Moi, je dirais que c'est l'essence de l'élégance. Quoi, tu vois. Et en il même est temps de l'extravagance, non, même pas. Quand c'est bien, il faut le dire. L'essence de quoi? De l'élégance et de l'extravagance. Mais il a été rompu. J'aurais bien... Attends, laisse-le, je veux savoir. Il va dire non, pas, attends. Regarde le gars. L'essence de... Comment? L'élégance. Et de l'extravagance. Ok, cool. Elle est à la fois élégante et extravagante. D'accord. Ça te va? Oui, ça me va. Ah oui, non? Continue. Ton père, pour la télé, pas pour elle. Je la taquine un peu. Franchement, j'adore la tenue, franchement. C'est assez original. Et tu vois, ce que j'ai tellement aimé, c'est que les accessoires, les matières s'accordent tellement bien. Et elle aussi, elle a su mettre en valeur la robe. Elle est assez originale. T'as raison, hein, au niveau de ses boucles, j'avais pas remarqué. Ça s'accorde. C'est assorti. Carrément, oui. En plus, elle est très simple, pas trop de bijoux, même pas de bagues. Hein. Je t'assure, elle s'est pas pris la tête. Je te jure que rien que la tenue, ça fait déjà le boulot. Ouais, carrément. Et tu lui donnerais une note de combien? Un 9. À 9, là je te rejoins directement, j'avais déjà ça en tête à 9. Il n'y a pas de 0,75 cette fois-ci? Non. Moi je m'emballe, je lui donne un 10,25. Ah ça, il a des 10. Aujourd'hui on en a des 10 à donner et ça, c'est cool, ça fait plaisir de voir que de temps en temps on peut être gentil quand même. Il y en a qui me reprochaient de temps en temps d'être un peu dur, mais là ça va. Et là nous passons directement au top et flop. Vous les avez vos top et flop? Je commence alors. Mon top du jour, c'est bien sûr le dernier look du jour. Liliane Afegbe, c'est mon top du jour. Et mon flop du jour, c'est Stan Zé. Afegbe et Zé. Franchement, ça nous tue, quoi. C'est des trucs misérables. Ouais, carrément. Ouais, je te rejoins. Mon flop du jour, c'est aussi Stan Zé. Et mon top, mon hyper top, mon hype look. Wow. Elle dit qu'il n'est pas bonjour, les gars. À force, tu vas dire n'importe quoi. Ton top de chez top. Mon top de chez top, c'est top Liliane. Ouais, Liliane Afegbe. Cool. Ça sonne mieux. Oui, Afegbe. Alors? Il a donné son flop. Oui, il a dit c'est Stanza. Ouais, bien sûr. À l'unanimité, c'est bien. C'est lui, Stanza. Et après, pour mon top, Liliane Afegbe. Afegbe. Ok, eh ben, comme tu l'as dit tu tout à l'heure. Tu vas avoir des gens à dos, toi. Comme tu l'as dit tout à l'heure, pour ne pas reprendre topissime, je dirais, chers amis téléspectateurs, que c'était tout simplement oufissime. On ne s'est pas retenu. On a essayé de prononcer comme on a pu. Vous nous excuserez pour ça si on ne l'a pas bien fait. Et nous vous donnons rendez-vous très très prochainement dans Effi Channel sur Fashion Africa, Fashion Police Africa. Bye bye.